Voilà, salut à tous mes frères ivoiriens et africains. Alors, moi, Philly, je fais cette vidéo-là rapidement pour m'adresser à toutes ces personnes-là qui veulent venir s'ingérer dans les histoires qu'ils ne connaissent pas. Voilà. Moi, je vous demande, je ne vous prie même pas, je vous demande de rester sur le doigt du carreau. Restez dans votre coin parce que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas votre affaire. Vous avez compris. J'ai vu sur, en tout cas, sur mon fil d'actualité, certaines dames hein, qui ont profité de faire des vidéos venues me traiter de sorcier. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Vous ne savez rien de ce qui se passe au MPA. Depuis la Jossi Gang jusqu'au MPA, vous ne connaissez pas les rouages du mécanisme, le fonctionnement du MPA là. Vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas. Donc, taisez-vous sur ce que vous ne savez pas. Vous avez compris? Cette histoire-là, entre moi et Johnny Pacheco, c'est un problème du MPA. Ce n'est pas un problème que vous avez l'habitude de traiter dans vos coins. Vous avez compris? Et puis, gardez-vous de m'insulter. Parce que je commence déjà à vous voir. Il y a certains même qui me traitent déjà des sorciers. Vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Parmi vous tous, là, qui êtes en train de parler aujourd'hui, là, on soutient Johnny. C'est moi-même qui vous ai dit, soutenez-le. Son combat là, il faut soutenir ça, c'est juste que moi je ne suis plus dedans. Vous avez compris? Donc arrêtez de m'insulter. Si vous avez envie de le soutenir, vous pouvez le soutenir, c'est votre droit. Mais ne m'insultez pas, ne me traitez pas de sorcier parce que vous ne me connaissez pas. Et sur la toile là, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire ici qu'il a défendu Philippe, il a défendu Johnny Pacheco plus que Philippe Babo. Ça n'existe nulle part. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire ça ici. Vous avez compris? Alors moi, Philippe, je fais un constat. Qui ne me plaît pas, j'ai le droit de partir. Vous avez compris? Alors, ne venez pas me parler. Vous avez compris? Moi, je pense que vous êtes des dames. Moi, je n'ai pas envie de vous clasher. Parce que moi, Philly, je n'ai pas pour habitude de m'adresser aux femmes. Quand je veux faire mon combat, là, c'est avec les hommes, pas avec les femmes. Alors, s'il vous plaît, allez-y, vous amusez entre vous, femmes. Ne venez pas. Parlez de Philippe Babo, vous ne me connaissez pas. Les gens que vous avez l'habitude de clasher là, clashez-les. Mais si vous atterrissez sur mon territoire, sur mon terrain, vous allez apprécier. Hein? Parce que moi, Philippe Babo, quand je clash là, je ne suis pas dans du jeu, c'est sans état d'âme. Vous avez compris? Voilà. Parce que même Johnny, même que vous défendez là, Johnny, pour lequel vous êtes en train de m'insulter là, quand il a besoin des défenseurs là, c'est moi, Philippe Babo. Ce n'est pas un débat. Et puis vous le connaissez, vous le savez. Vous avez compris? Quand Johnny a besoin de soutien, là, c'est moi. Quand il finit de parler, là, tout le monde disparaît. C'est quand ça y est? Donc, ce que vous faites là, c'est petit. Moi, je suis en train de vous regarder parce que vous êtes des dames. Il n'y a pas l'homme sur la toile qui clash plus que moi. C'est pas possible, même Johnny. Il n'y a pas. C'est quelqu'un que je respecte, j'aime son combat. J'avais aimé son combat à un moment donné, j'ai dit que je m'en vais. Et quand j'ai fait ma vidéo, je ne l'ai pas insulté. Hein. Jamais. Je ne l'ai pas clashé et j'ai même dit dans ma vidéo, je ne suis pas venu ici pour clasher quelqu'un. Je ne suis pas là pour ça. Je suis venu pour rétablir les choses dans leur contexte et puis je m'en vais dans le calme, sans du bruit en fait. Et je pense que lui aussi, il a fait pareil. Il est venu, il a expliqué les choses dans leur contexte et puis il est parti. Alors, vous à côté là, vous venez, vous parlez, vous traitez les gens de sorciers. Sorciers par rapport à quoi? Aigri par rapport à quoi? Attends, Johnny là, il dort dans quoi? C'est dans le château? C'est pas dans la maison, il dort? Maman, il dort dans la maison? Ouais, il est jaloux parce que Johnny a acheté maison. Et moi, je vais vous dire une chose. Moi, Philippe Babo, j'ai acheté maison avant de venir en France. C'est pas un débat. Vous avez l'habitude de faire enquête sur les gens, non? Allez-y, vous renseignez. Moi, j'ai payé maison avant de venir en France. J'ai pas besoin d'être jaloux de quelqu'un. Ouais? Pas besoin de ça. Vous avez compris? Mais quand tu marches à un ami et que tu constates qu'il y a des choses qui ne sont plus correctes, tu as le droit de dire je m'en vais. Ça, c'est mon opinion. Vous n'êtes pas venu me parler pour ça. Vous me connaissez où? Il est jaloux. Jaloux de quoi? Moi, je n'ai jamais envié quelqu'un dans ma vie. Parce que je vis bien. C'est pas parce que la dernière fois, je suis venu sur les réseaux sociaux pour dire, dans ma vidéo, à un moment donné, j'ai été en difficulté. Oui, tout le monde peut être en difficulté. Mais ça ne fait pas de moi un malheureux. Parce que où je vis là, jusqu'à la preuve du contraire, vous ne pouvez pas arriver là-bas. Ce n'est pas un débat. Moi, quand vous, ma fenêtre là, c'est de l'eau en même temps. Ouais. Je suis rentré là-bas tout à l'heure. C'est parce que ma vidéo a été coupée. Il n'y a pas réseau. Sinon, voilà, mais là. Voilà ça, là. Quand il descend des voitures, il a filmé ça.
Vous avez compris? Merci Carla Brunel. T'as dit où ma fenêtre là, c'est de l'eau. Je fais partie de chez moi en maillot de bain pour plonger dans l'eau. Tu t'es à quelle fois venir habiter ici? Dans mon quartier là, voilà Carla, elle est témoin. Et d'ailleurs même, c'est la seule blague que je connais ici dans le secteur. Et c'est la seule blague que moi je connais ici dans le secteur. Il n'y a pas de blague ici. Même blanc, même là, il y a des blancs qui n'ont pas qu'à de venir habiter ici. Ce n'est pas un débat. Tout fenêtre là, c'est mer en même temps. Et puis, j'ai où monter ça. Moi, je n'habite pas loin. C'est juste à côté. C'est pas, il n'y a pas envie de partir avec la caméra jusqu'à chez moi. Par exemple, on vous connaît. Il y a des centaines de voitures là. J'ai où filmer l'eau. L'eau, c'est là, là. Vous avez compris? Moi, je ne suis pas malheureux. Hein. Il est malheureux. Malheureux par rapport à quoi? Mais vous êtes ingrat, c'est tout. Vous ne pouvez pas reconnaître à un moment donné qu'une chose n'est pas bonne. Il faut le reconnaître. Quand la marée était très haute, quand ça chauffait, quand tous les pro babos étaient en train de se déferler sur Johnny, là où il a été isolé, tout seul, c'est moi, Philippe Babo. C'est moi. Je l'ai fait. Je pouvais partir comme les autres, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté auprès de lui. J'ai porté sur mes épaules le combat de Johnny. Vous avez compris? Mes enfants étaient vilipendés. C'est que mes enfants ont vécu là. Vos enfants ne peuvent pas vivre ça. Ils ne peuvent pas supporter ça. C'est pas possible. C'est que j'ai supporté. Vous ne pouvez pas supporter ça. Vous venez, vous mettez là avec vos rondeurs là. Vous racontez des bêtises. Sinon, vous ne vous calmez pas sur vous. Si elle descend sur vous là, ça sera sans état d'âme. Je vous dis, hein, gardez-vous de parler de moi. Je ne suis pas votre ami. Contentez-vous de votre vie dans votre HLM là-bas, là, ici là. Ne traîne pas dans des endroits comme ça. Vous l'avez compris? Excusez-moi, hein, pour ceux qui sont dedans. Je m'adresse à ces rombières là qui viennent m'emmerder dans leurs publications là. Du n'importe quoi. Vous parlez des gens que vous ne connaissez pas. Voici Carla ici, sur ce direct là. Elle va vous dire comment Philippe Babo il vit ici. Moi j'ai expliqué un problème que j'ai vécu. Une difficulté que j'ai ressentie. Où est Claudine? Oh, il fait chaud, mais la clim là, il n'y a pas... Où est la clim? C'est toi qui as la clé? La carte là. C'est toi qui as la carte là. Mais la carte de la voiture là. Non. Merci. Vous avez compris? Il est malheureux. Vous parlez de quoi? Voilà ce cas, ça là, c'est voilà ça qui est prend pour démarrer ma voiture. Voilà ça là, c'est ça là, moi il prend pour démarrer voiture. Moi je ne prends pas clé, je ne suis pas malheureux. Hein. Vous avez compris? Voiture, si elle est à climatiser. Voilà truc ici. Voilà caméra ici. Qu'il est malheureux. Malheureux de quoi? Mais reconnaissez le combat des gens. Il faut savoir apprécier ce que les gens font. Vous parlez de quoi? Excusez-moi. Ah, je commence à transpirer. Je vais mettre la clim. Vous parlez des gens, vous ne les connaissez pas. Ouais, il est malheureux. Malheureux de quoi? Mais quand quelqu'un a commis une erreur, là, il faut reconnaître qu'il a commis une erreur. Il faut reconnaître ça. Vous savez combien de fois je me suis battu? Vous savez combien de fois j'ai lutté? Là où ça chauffait celui-là, où vous étiez là, non? Pourquoi vous n'avez pas fait vidéo pour le soutenir? Vous avez fait vidéo pour le soutenir? Montrez vos vidéos, là, on va voir ça. Vous me dites que je suis malheureux. Je ne suis pas malheureux. Je ne suis pas malheureux. Allez-y sur le compte YouTube de Johnny. Vous allez trouver les vidéos de Philippe Babo là-bas. Est-ce que vous pensez que moi, je ne sais pas comment on fait pour gagner l'argent sur YouTube? Mais j'ai laissé Johnny Pacheco partager mes vidéos sur YouTube. Parce qu'il a expliqué qu'il avait des difficultés. J'ai laissé mes vidéos pour qu'il les partage pour avoir à manger. Parce qu'il était en difficulté. Vous allez me traiter de sorcier, vous êtes malade, ça ne va pas chez vous. Allez-y sur son compte. Tapez sur YouTube Philippe Babo. Toutes les vidéos de Philippe Babo qui sont là-bas ont été postées par Johnny Pacheco. Et l'argent de ça, qui gagne ça? Qui gagne là déjà? C'est moi? C'est moi qui encaisse ça? Lui-même, il n'est pas venu dire de sa bouche ici que YouTube lui donne 10 000 euros par mois. Mais dans les vidéos de YouTube là, qu'on lui donne 10 000 euros par mois là. Mais moi, il y a mes vidéos dedans. Il y a plus de 30 vidéos que Johnny a postées pour avoir 10 000 euros par mois. Est-ce que je lui ai déjà demandé ses frères? Jamais. Est-ce qu'il était jaloux de ça? Jamais. Parce que je suis un frère. Parce qu'il m'a dit qu'il est en difficulté. Alors mes vidéos, j'ai accepté qu'il les publie pour avoir de quoi manger. Et puis vous allez me traiter de sorcier, ça ne va pas chez vous. Vous pensez que je suis malheureux? Si j'étais malheureux, j'allais poster moi-même mes propres vidéos sur YouTube. Je n'ai même pas un seul compte sur YouTube. Alors qu'il y a plus de 500 vidéos.
Je pourrais gagner l'argent comme tous ces jeunes-là, cyberactivistes, mais moi je ne le fais pas. Parce que je travaille à la sueur de mon front pour avoir mon argent. Je travaille pour m'occuper de mes enfants. Vous avez compris? Alors si je suis indigné aujourd'hui, je sais pourquoi. Vous savez combien de fois mes enfants ont souffert? Et je vous ai dit ici, trois fois en deux ans, j'ai fait changer d'établissement mes enfants. Pourquoi? À cause du fait qu'ils sont vilipendés. Ils sont dénigrés dans leur établissement. À cause de ce même combat du MPA. Vous parlez de quoi? Vous venez raconter des choses que vous ne connaissez pas? Ouais, c'est un sorcier. Il est jaloux. Jaloux? Vous-même qui me traitez de jaloux, c'est que j'ai là, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas ça aujourd'hui, vous n'avez pas ça demain. Allez-y vous renseigner. On dit que le président Ouattara a construit un barrage hydroélectrique à Soubré. C'est moi qui ai dit ici, c'est dans mon village. Et puis c'est vérifiable. C'est moi, Philippe Babo, mais choqué, on a détruit pour construire ça. J'ai 150 hectares de forêt. C'est pas un débat. Parler de quoi? Vous allez venir me raconter des âneries ici? Moi, je n'ai pas insulté Johnny. Je l'ai dit tout simplement, frère, voilà ce que tu as fait. Ça ne me plaît pas. Quand on marche avec un ami, on ne fait pas comme ça. C'est tout. Moi, je n'ai pas insulté. Et même dans ma vidéo, et puis elle est encore disponible, je l'ai fait seulement hier. Vous pouvez aller voir sur ma vidéo où je vous ai dit, si vous avez envie de soutenir Johnny, mais vous pouvez le soutenir. Vous pouvez le soutenir. Allez-y sur ma page. Alors que moi, je suis en train de dire que je ne suis pas content du MPA, de Johnny. Allez-y sur ma page. Vous allez voir, il y a les vidéos de Johnny qui ne datent même pas de 5 jours. Vous pensez que c'est aujourd'hui je suis au courant de cette histoire? C'est pas aujourd'hui. Alors que mes vidéos sont sur sa page, vous me traitez de sorcier, vous êtes malade. Monte, tu peux monter, monte derrière. Monte, tu peux monter derrière. Monte là, monte de ce côté-là. Vous avez compris? Et tout ce que je suis en train de dire ici, là, moi je sais, j'ai donné ma poitrine. J'ai donné ma poitrine. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous n'avez rien fait. Et moi, j'ai des témoins ici. Alain Guédé de Toulouse peut témoigner. Il y a deux ans, je me promène dans le sud, un endroit que je ne connais pas. On envoie l'argent. C'est moi-même qui suis allé sur les réseaux sociaux. Venez aider mon frère. Je suis seul. J'ai crié partout. Et effectivement, il y a des gens qui m'ont écouté. Il y a des gens qui sont venus qui l'ont fait. Je me promène partout. J'appelle Alain. Accompagne-moi ici. Souvent, il me demande c'est pour aller faire quoi? Non, c'est pour aller régler un problème pour Johnny. Mais pourtant, lui, c'est un gars. Mais il m'accompagnait. Il m'accompagnait, on partait. Il disait rien. Parce qu'il s'agissait d'une fraternité. Il s'agissait de la vie de quelqu'un. Vous me traitez de sorcier? Demandez à Johnny lui-même. Et j'ai des vidéos qui sont disponibles. C'est moi, Philippe Babo, qui suis allé à l'ambassade avec Mireille Saki, qui est conseiller municipal à Paris, avec Dre Bonny à l'ambassade, pour supplier l'ambassadeur de remettre le passeport de Johnny. Moi, j'ai fait ça. Vous étiez où? Vous venez gueuler. Vous parlez des choses que vous ne connaissez pas. Dites plutôt à Johnny, ton frère n'est pas content, il faut lui demander pardon. Vous venez venir raconter des bêtises. Vous parlez de quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait vidéo? Vous avez fait vidéo? Vous savez combien de gars ont fait des vidéos contre Johnny? Vous savez combien? Vous savez combien de vidéos il existe contre Johnny? Montrez-nous les vidéos que vous avez fait pour le défendre. Si vous l'aimez vraiment. Montrez-nous les vidéos que vous avez fait pour défendre Johnny si vous aimez Johnny. Quand vous n'avez rien à faire dans vos foyers, vous venez traîner sur les réseaux sociaux. Au lieu de vous respecter des vieillards comme ça, des vieillesses, vous venez vous raconter du n'importe quoi. Mais si on vous respecte, la respectez-vous. Hein? Si on vous respecte, la respectez-vous. Parce que jusqu'à présent, je n'ai même pas encore dit un seul nom. Je n'ai même pas encore fait vidéo. Je vous mets en garde. Parce que celle qui s'amuse avec moi là, si je rentre dans tes cordes là, tu reviens plus sur Facebook, tu disparais en même temps. C'est comme ça que je suis. Voilà. Parce que les caches là, je sais le faire. Et c'est d'ailleurs, je sais clasher que j'ai défendu Johnny plusieurs fois et que toutes les personnes contre lesquelles je me suis dressé, qui étaient contre Johnny, ils ont tous fui. C'est pas un débat. Et puis c'est pas Johnny qui a me dit le contraire. Ils ont tous fui. Donc clash là, j'essaie de faire ça. Hein. Si vous voulez, on peut commencer. Hein. C'est quand vous voulez. Mais moi, je ne clash pas deux fois. Quand il finit à toi, tu disparais en même temps. Parce que je te prends dans tes côtes.
Là où ça fait mal, là, je frappe dur. C'est quand je suis. Donc, s'il vous plaît, jusqu'à présent, là, j'ai envie de respecter les femmes. Restez dans votre coin. Il y a beaucoup de choses à faire sur Facebook. Voilà. Voici ma soeur Carla Brunel. Quand elle arrive, elle fait ses petits shows. Elle amuse les gens. Elle n'insulte pas les gens. Elle continue son truc. Voilà. Vous pouvez faire ça aussi. Facebook, là, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Tu n'es pas obligé de venir parler des gens. Alors, il faut qu'on se respecte. On se respecte sérieusement. C'est ce que j'avais à dire. Voilà. Maintenant, pour ceux qui savent savoir, parce que moi, là, je vous ai toujours dit, depuis la Jossidane jusqu'au MPA, quand on parle à épreuve. Et puis, je vous ai prouvé ça tout à l'heure. La mer, là, voyez ça ici. Voilà, voyez ça là-bas. Vous allez voir ça. C'est pas un débat. Voyez ça là-bas. Voici mer là-bas. Vous avez compris? Voilà. Dans la vidéo qui a été coupée là, c'est là la fille était. Voilà où je bosse, hein. C'est là. C'est que vous voyez là. C'est dedans. Voilà. Depuis ma position là, je peux voir les gens sauter dans l'eau. Et puis celle-ci habite. Quand tu vous fenêtre là, c'est l'eau en même temps. Donc calmez-vous. Je ne suis pas votre ami. Et il est malheureux. Vous êtes malade ou bien quoi? Il est malheureux, il est malheureux. Moi je suis pas malheureux, hein. Vous avez compris? C'est vous qui êtes malheureux. Parce que quelqu'un qui n'est pas malheureux là, il n'a pas le temps de venir s'occuper de ce qui se passe dans la vie des autres. Les gens qui sont heureux là, ils ne s'occupent pas des gens. Les Didier Drogba là, eux ils sont à autre chose, ils sont dans leur business. Vous avez compris? Quand on est heureux et puis on vit bien là, on n'a pas le temps de parler même dans les histoires des gens. Quand on est heureux là, on ne se met pas sur la toile, passer son temps plus de 2 heures en train de... Vous avez compris? Quand on est heureux, on ne passe pas plus d'une heure devant une caméra en train de parler des histoires qui ne nous regardent pas. Ce sont les malheureux qui font des choses comme ça. Vous avez compris? Ce qui s'est passé là, c'est une affaire du MPA. Laissez le MPA régler les histoires. Vous avez compris? Voilà. Même les membres même du MPA, personne n'a encore parlé. C'est vous venez parler, vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Vous savez quoi? De conneries comme ça. Si on vous respecte, respectez-vous. Hein? Si on vous respecte là, respectez-vous, respectez les gens. C'est pas vous qui payez mon loyer. Vous avez compris? Mes enfants, c'est pas vous qui les nourrissez, c'est pas vous qui les inscrivez. Vous avez compris? De connards comme ça. Quelqu'un il est malheureux et puis ça paye une voiture pour son enfant. Vous avez vu ça où ça? Alors, cher ami africain, c'est ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, moi je vais m'adresser à ces dames-là. Calmez-vous, hein. Allez-y vous occuper de vos politiciens que vous clashez là. Restez avec eux là-bas. Ne venez pas me parler ici. Moi, je ne suis pas votre ami. Je ne me suis jamais retrouvé dans un lit avec vous. Il faut qu'on se respecte. Voilà. Vous venez me parler ici là, mais je vais m'occuper de vous. Hein. Et puis sérieusement, ça sera sans état d'âme. Je vous dis en même temps. Restez en dehors de cette histoire. Ce n'est pas votre problème. Ok. Big up à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Carla Bruni, sois salué. À tout à l'heure. Alain Guédé de Toulouse. Le week-end, on est ensemble. Hein. On t'attend.